Non, c'est un bel hommage. Bon, alors nous sommes venus à l'Aigle de Nice après une exposition ailleurs, au salon Reflet d'Art. Voilà. Ensuite, mon mari a commencé à peindre, surtout à travers des décors de spectacles de danse sur la scène du Cap d'Agde. Voilà, petit à petit, nous sommes partis sur des expos et nous sommes ravis d'être à Nice avec Monsieur Bideau. Le poignet d'Alain, c'est le déterminisme de l'esprit. J'ai arrangé un peu parce que je ne sais pas peindre sans modèle. C'est la peinture à l'huile. Ce sont des lacs sur feuilles d'or, d'argent et de cuivre. C'est par l'envers, de façon à ce que la lumière traverse cette laque, crée les effets, va se réfléchir sur les feuilles d'or, d'argent et de cuivre qui sont derrière, et revient en créant de nouveaux effets. Donc c'est une peinture qui est à l'envers, c'est-à-dire qu'il faut la concevoir à l'envers. C'est-à-dire que contrairement aux autres, je commence par la signature et je finis par le fond, c'est pas qu'on le verrait jamais. Voilà. Alors, quand la laque est en épaisseur, la lumière ne passe pas, et quand la laque est en moindre épaisseur, la lumière passe, se réfléchit sur les feux d'or, revient vers le spectateur, et crée de nouveaux effets. Voilà, c'est le principe. Ça s'appelle le lucérail, c'est une méthode d'épaule.
la bonne. Ah. Parce que c'est le mien là qui est vendu. Avec les enfants de la classe, a fait ici à l'Escarène, a fait à peine 86 galets et qui ont été déposés par M. Noël Smara, donc sur un des sommets de l'Himalaya, en souvenir 86 galets qui évoquaient ou étaient inscrits sur chaque galet le nom de chaque victime. Donc on a osé marquer d'ailleurs Simone Veil ici, donc, et c'est pour ça qu'on a mis les enfants, la classe avec les maîtresses, Simone Veil, qui disait dire oui au respect à l'unité humaine, c'est dire non à toutes les barbaries, s'élever pour se surpasser ou se surpasser pour s'élever, chacun se le prend comme il veut, avec la promenade et l'Himalaya qui était derrière. Avec les enfants de l'Escarène, donc un galet, le galet qui a été porté dans l'Himalaya. Voilà, donc ça me fait plaisir de voir ce qu'ils ont fait dans le cadre, c'est de l'art, on va dire, de l'art et de l'espérance. Et vous-même, quand on voit tous ces tableaux, on viendra te rendre visite dans ton musée, hein, pas ça, parce que elle a plus de lumière que le penseur de Rodin, qui prend comme ça qui était soucieux. Hein. Donc notre ami, non pas le roi Lion de la Piguerre, est toujours inquiet par rapport à son petit nounours là-bas. Hein, hein, il est toujours inquiet, donc il fera une, en sortant dès que une psychanalyse sur l'inquiétude. Inquiet, ouais, voilà. C'est pas de la nature. Voilà, maintenant tu la surmontes. Hein. Ouais, tu as surmonté. Ouais. Et comme on a écrit sur notre bulletin, progresser pour s'élever, s'élever pour progresser. Et avec l'art, c'est ce que l'on fait. Donc, un grand merci à tous. L'association des Beaux-Arts à Cannes, il était donc désigné par un jury. Donc, il était au discours fait à Mandalay à Cannes l'année dernière. Alors, je vous présente mon tableau, n'est-ce pas, que j'ai fait avec tout mon cœur et mon amour, bien sûr. Hein. Et alors, c'est la Belle et la Bête que j'ai imaginée, mais il n'y a pas de crayon. Voilà. Alors, vous le regardez bien et vous voyez plusieurs. Voilà. C'est à vous de juger. Moi, je suis autodidacte, je fais ce que je peux, mais j'adore ce tableau et il plaît beaucoup. Non, c'est un bel hommage. Yeah.